Ouais, Angelo, j'ai trouvé la trace de ton braconnier du côté du lac de Sagne. J'ai pas encore réussi à le choper. Ok, j'arrive. Il y a un corps là-haut. J'ai envoyé Leblanc il y a une bonne demi-heure. Pourquoi t'es pas monté? C'est un meurtre, Alex. Bah tiens, voilà. On attend la crime. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est par où? Voilà. C'est encore loin? Ça fait une heure qu'on a 5 minutes, bordel. Vas-y. Ça va être chaud de faire venir un scientifique jusqu'ici. Il n'y a pas de route. Et ça capte que dalle, évidemment. Vous le connaissez? Dans cet état, c'est pas facile de répondre. C'est Philippe Aubert, un gars de Lusagne. Il a été frappé de face, vous voyez même pas sa tête. Comment vous savez ça? La voiture, la cicatrice sur sa main. Et... c'est son coin de pêche ici. Plus personne n'approche le corps en attendant la scientifique. Votre collègue, là, c'est son premier cadavre ou quoi? Non, mais d'habitude, les coups de hache, c'est dans les arbres qu'on les met chez nous. Puis Philippe, c'est un copain de pêche. On a un petit village, hein. Tout le monde connaît tout le monde. Aux équipes, là, elles vont mettre des plombes à arriver. Vous feriez mieux de préserver la scène du crime. Ça va, y a pas foule dans le coin. Sauf si on compte les bêtes sauvages qui vont venir pour bouffer le corps. Bien sûr. Vous vous en chargez? Et pour le reste? Quoi, le reste? Bah, l'enquête, la recherche de témoins. On connaît la victime, on connaît le coin. Ça, c'est notre affaire. Je vais annoncer la nouvelle à Ilan. Alex. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose à Philippe? Il a eu un accident? Je le revois encore en train de préparer ses mouches. Il faisait des nœuds incroyables. C'est lui qui m'a montré les meilleurs coins, truite. Ah, mais son endroit, ça... personne ne pouvait venir. Sauf moi, de temps en temps, et encore. Pourtant, il a jamais aimé les gens de la ville. Et toi, il t'aimait bien. Trouve qui
peux pas, Hélène, c'est pas mon job. Mais t'es flic. Il y a des pros qui viennent de Marseille, ils vont trouver. Je t'en prie. J'ai vraiment besoin de savoir. Je suis au courant pour Philippe, c'est horrible. Vous voulez? T'es au courant pour le meurtre au bord du torrent? T'as bossé dans la forêt au sud du village toute la journée d'hier. T'étais planté dans les arbres, t'as rien vu? Pourquoi j'aurais vu quelque chose? J'ai connu les Baumettes, moi aussi. Et de l'autre côté de la barrière. Ça fait de moi un suspect, c'est ça, hein? Non, mais tu pourrais le devenir. À part les bêtes sauvages et le petit bourré, j'ai vu que dalle. Le type bourré? Ouais. Il y avait un gars bourré allongé dans l'herbe, qui cuvait méchamment. Un touriste? Possible, ouais. J'avais jamais vu avant, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que, vu son état, ce mec-là était bien capable de quelqu'un. Tu peux m'emmener là-bas? C'est là, en ce coin-là. T'es sûr qu'il était seul? Ouais. Y a qu'un endroit où on fait cette gnôle.
Oui. Monsieur le maire. Au revoir. Ah, c'est pas vrai, non. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est toujours la même chose avec les élus. Il faut arrondir les angles, faut rester discret. Il est à part pour la saison touristique, c'est ça? Bon. Qu'est-ce que Vaquier et l'autre font dans mon bureau? Ben, ils trouvaient la vue jolie, alors ils ont décidé de rester. Quatre coups de hache. De la tête, deux autres sur le thorax. Blessure défensive sur les avant-bras. Ça recommence. Merde, vers l'autre. Bon, je vais me prendre un café, moi. Chouette, la vue. Putain, j'en reviens pas à des bleds où il n'y a pas le wifi. Je jette juste un petit coup d'œil à mon ordinateur. Eh ouais, pas de wifi, pas de pollution, pas de klaxon. C'est vrai que c'est dur. Vous en avez pour longtemps? J'ai fini. Alors l'enquête, le légiste, tout ça, ça dit quoi? Pas grand-chose. Ah, j'oublie ça. Sans annuaire, on n'est rien dans le coin. Tu regardes au fond de la bouteille regarde au fond de toi. Faut prendre rendez-vous au secrétariat si vous êtes parent d'élève. En fait, non, je suis pas parent d'élève, juste un mauvais poète à mes heures perdues. Vous pouvez jeter un coup d'œil à mon chef-d'œuvre? Non, mais désolé, j'ai pas le temps, là. Je crois qu'il va falloir le prendre. Mais c'est quoi, ça? Une facture. Payée avec votre carte bleue. Vous avez une sacrée descente, hein? Pour l'endroit, une forêt de luzerne pour faire de la philosophie éthylique. Bon, on reste ici ou on se met au calme? On va se mettre au calme. Une arène. Imaginez une arène avec 30 fauves à l'intérieur. Des bêtes sanguinaires qui vous agressent à coups de sonnerie de téléphone portable. Et vous, vous essayez de vous défendre, mais en vain. Vous savez que le combat est perdu d'avance. Mais vous ne mourrez pas. Hein. Jamais. Parce que année après année, le combat recommence. Comme Sisyphe poussant son rocher. Alors vous vous autorisez de temps en temps une petite beuverie champêtre, histoire de vous donner le courage d'affronter les fauves. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais je vous en prie, j'ai une réputation ici et... Je peux? Mais pourquoi vous m'interrogez? Qu'est-ce qui se passe? On a eu un mort pas loin de l'endroit où vous vous trouviez. Un mort? Un vrai mort? Quelqu'un d'assassiné? Salement, même. Et je suis suspect, c'est ça? Vous étiez dans le coin, en tout cas. Vers quelle heure, d'ailleurs? Je suis arrivé vers 13h. Pour le retour, c'est beaucoup plus opaque. Et pendant cette phase de préparation mentale à la corrida, vous avez rien remarqué d'inhabituel dans ces bois? Bah, c'est flou là-dedans, vous savez. Je m'en doute. Ce que je vais vous raconter là, ça risque d'empirer mon cas parce que vous allez pas me croire. Dites toujours. J'ai d'abord vu un type dans les arbres, perché aussi haut qu'un écureuil. C'est complètement débile, mais j'avais l'impression qu'il volait. Non, c'est pas débile. Moi, je vous crois. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Un bout de temps après que le type dans les arbres se soit envolé, j'ai vu cette femme. Blonde. Elle était grande, hein. Elle était immense.
Et elle avait... Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle avait? Des talons hauts, des bottes? Une hache sur l'épaule. Cette femme n'est certainement qu'une vision poétique créée par mon esprit. Un fantasme freudien, si vous voulez. Ouais, je vois. De là où vous étiez, vous pouviez apercevoir la route. Elle est partie comment? À pied, en voiture? Ouais, en voiture, ouais, c'est possible. Une idée de la marque, la couleur? Oh, non, je me souviens plus. Il y avait des yeux de loup partout autour d'elle. Des yeux de loup? Ouais. Ouais, ça m'a sacrément fichu les jetons. Ok, j'arrive. Vincent Clouzatier. C'est pas vrai. C'est lui qui a découvert le corps. Opératoire, c'est ça? On dirait, ouais. Frappé en pleine face, des coups de hache sur le crâne et sur le torse. Il y a les cannes à moi là-dedans. C'est son lieu ici à Vincent. On a passé des après-midi à monter les lignes. C'est dingue, parce qu'on pêchait souvent ensemble. Pourtant, je le connaissais pas tant que ça. Pourquoi on leur fait ça? Ici, dans le montagne. C'est quoi là? C'est cabane? On dirait, ouais. Thompson avec ça à foutre, écoutez ces sermons à la con. On scoutourise ce type, le reste il s'en fout. Tu veux que je passe voir Marine Clouzatier? Non, j'ai envoyé Leblanc, elle est pas chez elle. Je fais un crochet pour la fromagerie, on sait jamais.
J'en rêve ou maintenant elle sert de mon bureau comme salle d'interrogatoire? Non, tu rêves pas, non. C'est figé du lourd. Regarde, page 3, ça vaut le détour. Vincent Cruzatier était le directeur de notre fromagerie à mon frère et à moi. C'est horrible. On cherche sa femme, Marine Cruzatier. Vous avez une idée de l'endroit où elle peut se trouver? Marine est une amie. Ça lui arrive souvent de partir comme ça quelques jours. Elle doit sans doute être à Nice dans un hôtel quelconque. Dans ces cas-là, elle se coupe de tout et elle est injoignable. Avec son mari, ça se passait bien? Vous pouvez nous expliquer ça? Excusez-moi, je reviens. Je suis occupée, là. Il y a un petit bar à l'entrée du village. Je vous retrouve là-bas dès que j'ai terminé. Très bien. Je vous sers quelque chose? Un café, s'il vous plaît. Fallait bien que ça fuite tôt ou tard. Ça fait plus d'un an qu'on enquête sur une série de meurtres et qu'on a les journalistes aux trousses. Pourquoi est-ce que vous nous avez rien dit? Parce que... Parce qu'on sait pas ce que c'est qu'un meurtre aussi, c'est ça? Parce qu'on est des bouseux? Merci. Il s'agit de pêcheurs tués à la hache dans 3 départements différents. Les coups sont donnés en pleine tête ou poitrine, par devant. L'assassin fait donc face à ses victimes? Exactement. Il veut voir les yeux de sa victime au moment où il frappe. Le profil établi par nos experts montre qu'on a affaire à un opportuniste qui ne prépare pas ses crimes. Il agit donc par pulsion, de façon plutôt désorganisée. Ça témoigne d'un esprit plutôt instable, perturbé, capable de basculer à tout moment. Il frappe au hasard. Et rien ne relie les victimes hormis la pêche. Et dans le coin, c'est pas les pêcheurs qui manquent. Et dans le coin, c'est pas le pêcheur qui manque. Autrement dit, vous n'avez rien. Aucune piste. Faut pas vous en faire, les tours comme ça. Mais l'air de rien, ça travaille là-dedans. Bonjour, je vais vous prendre un ticket, s'il vous plaît. Oui, un instant, j'arrive. J'arrive pas à démarrer, vous auriez pas des pinces par hasard? Ouais, j'ai essayé d'appeler un garage, mais à cette heure-ci, dans le coin, c'est mort.
C'est pas votre jour de chance, on dirait. Ça vous dérangerait de me déposer un hôtel? Monte. J'aurais adoré faire votre métier. Analyser le comportement animal, on doit mieux comprendre les humains ensuite, non? Ça aide, oui. Ça aide à savoir à qui on a affaire. Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai ma dose. Vous, par exemple, vous m'attendez sur le parking. Vous prétextez la panne pour m'apporter. Dans quelle intention? Dans le règne animal, il y a deux grands moteurs qui sont à la base de tous les comportements. Survivre et se reproduire. La conclusion est donc simple. Vous avez envie de me baiser. Vous êtes toujours aussi franche d'habitude. Essayez pas de rivaliser avec elle ou elle va vous coucher. Alors ça veut dire quoi ce stratagème? Je suis un prédateur? Bon, en fait, c'est plutôt un comportement de dominé. Dominé? Un mâle dominant aurait une approche directe. Il n'aurait jamais pris le temps de mettre les formes pour obtenir ce qu'il veut. Vous voulez dire sur le parking? Un dominant veut sentir que l'autre lui appartient. Qu'il peut faire de lui ce qu'il veut. Qu'il devienne son objet. Vous êtes pressé? On a tout notre temps. Et ne vous inquiétez pas, hein. Vous obtiendrez ce que vous voulez. Je suis complètement bourracha. Pas à l'aise. Je vais me servir un coco. Oula! Il va falloir patienter encore un petit peu si t'as envie de me voir à poil. Pas de la musique. Tu vas où? Je vais au chiotte, mon pote. Balle-toi ça en attendant. La truite de Schubert. On va s'endormir avec cette merde. Comment ça se fait qu'une jolie fille comme toi se retrouve seule dans ce grand parc? Ta famille vit dans le coin? T'es toujours aussi bavard, au baiser? Je suis désolé, mais j'ai tellement l'habitude de me taire dans mon boulot que dans l'intimité, je deviens une vraie pipelette. Et c'est quoi ton job? Je suis pêcheur. Je pêche tout le temps.
En lac, en mer, en rivière. La truite, la carpe. J'ai même pêché de l'espadon. Excuse-moi, je... Je reviens. Bouge pas d'ici, t'as compris? Ouais. Vous auriez pu bousiller des mois de procédure. Va falloir m'expliquer comment vous êtes remonté jusqu'à elle. T'inquiète pas. Ça va aller, t'inquiète pas. Emmenez-moi les grenades. Je peux pas. Je te supplie, je sais. Ça va, on vous dérange pas? Elle a des droits, elle aussi. Ben, allez lui tirer les pompes tant que vous y êtes. Vous agissez en dehors de tout contexte légal. Je draguais, c'est interdit. Manque de bol, je suis tombé sur la tueuse à la hache. Ouais, c'est ça, foutez-vous de ma gueule. L'affaire a beau être réglée, on se retrouve tous demain à la première heure. Je veux bien passer l'éponge et éviter les sanctions en haut lieu. Mais votre ex Hugo, il a intérêt à me rendre un rapport carré. En évitant ses effets de style. Good copy. Vous avez bien bossé. Bon, bah, comme on dit chez nous. J'espère ne plus jamais vous revoir. Vous m'appelez si vous avez des nouvelles. Ok. Que tu feras disparaître la violence de son nom. T'es la meilleure chose qui me soit arrivée, tu sais. Et après toutes ces années, je continue à me demander pourquoi moi. T'aurais pu avoir un mec tellement plus simple. J'aime les mecs qui me surprennent.
est déjà partie, ta copine Vaquier, hein? Si c'est elle que tu cherches. Elle était en run contre toi. Elle a laissé une copie du dossier Cruzatier. Angelo avait ça, oui. C'est pas elle qui l'a tué. Putain, mais... m'a fait peur, bordel. De qui tu parles? La tueuse à la hache, Agnès Morel, c'est pas elle qui a tué Cruzatier. On cherche à nous manipuler. Y a trop de trucs qui collent pas. D'abord, les meurtres sont trop rapprochés, dans le temps et dans l'espace. Et alors? T'as jamais entendu parler de tueurs en série qui montent en puissance, augmentent la cadence, toi? Regarde cette mouche. Ouais, c'est une Panama, et alors? C'est exactement cette mouche qui était au bout de sa canne. Sauf que Vincent détestait les Panamas, il a jamais attrapé un poisson avec. Pour lui, c'était la Blue Dun et rien d'autre. D'ailleurs, dans sa boîte, il n'y a que des Blue Dun. Que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas lui qui a monté sa ligne. Quelqu'un l'a fait à sa place, après sa mort. Peut-être qu'il allait pas pêcher. Peut-être qu'on lui a donné rendez-vous à la cabane pour le tuer. C'est mince, tout ça, Alex. Hein? Et un meurtrier, quelque part, qui a profité du meurtre d'Aubert pour éliminer Cruzatier. Non, je sais pas, Alex, non. Non, puis j'ai pas trop envie de faire revenir les Marseillais pour tes histoires de mousse, là, non. Puis t'imagines dans la vallée le scandale, là, si ça s'apprend. Tu préfères laisser un assassin en liberté dans la montagne? Ah, mais c'est que des suppositions, là. Pas pour moi. Je vais creuser un peu. Ok. Mais pas de conneries, hein. Je pourrais pas te couvrir tout le temps, hein. Tu n'auras pas un vendredi, ton braconnier, il bosse. C'est ton genre de repos, tu serais mieux chez toi. Je suis gitan, moi. Mais nous, les gitans, hein, bon. Nous, vous n'avez pas de chez vous, je sais. Il bosse, hein? T'as encore deux, trois trucs à apprendre, Alex Hugo. Vous aimez la déco? Désolée, j'ai frappé, mais... J'ai entendu, j'avais pas envie de répondre. Mon mari vient de crever, vous savez? Mais bien sûr, vous savez. Vous êtes là pour ça, non? Vous êtes flic? Vincent n'arrêtait pas de parler de vous. J'imagine que c'est difficile de faire le deuil avec tous ces souvenirs. Le deuil de Vincent? Mais bon débarras, oui. Je l'aurais tué moi-même si j'avais le cran de cette fille. Mais pas avec une hache, non. Un joli petit trou, là, entre les deux yeux. Un trou pour enterrer toutes les saloperies qu'il m'a fait subir. Heureusement que vous n'avez pas fait cette déclaration avant l'arrestation de la tueuse. J'imagine que ça aurait fait de moi une coupable. Suspecte, en tout cas. Ah oui, c'est ça. Suspecte. C'est exactement ça, ouais. Suspecte de picoler comme un homme, suspecte de coucher avec des inconnus. Je suis quasiment suspecte de naissance, vous savez. C'est une habitude à prendre. J'ai juste une question à vous poser. Vous étiez où au moment du meurtre? À Nice. Et vous voulez savoir pourquoi? Pour m'envoyer en l'air. Vous avez quelqu'un à Nice? Pas besoin. Vous savez, à mon âge, on s'emmerde plus à draguer. J'ai de l'argent, je paie. J'ai ce que je veux. Vous voulez dire que vous étiez avec un escorte au moment où Vincent se faisait tuer? Amusant, non? On a connu l'extase tous les deux, mais pas pour les mêmes raisons. De toute façon, on couchait plus ensemble depuis des années. L'argent dont vous parlez, c'était celui de Vincent? Vous plaisantez, non? Vincent a toujours été fauché. Il s'est trouvé une bonne poire.
J'ai tout donné, j'ai sacrifié les plus belles années de ma vie pour ce salopard. J'allais le foutre dehors, ça c'est sûr. Excusez-moi, faut que je vous laisse là, parce que je suis affreuse quand je pleure. Moi, je vous trouve très jolie. Je me demande bien pourquoi. Hein. De quoi tu parles ? Vincent Cruzatier. Il a fait une grande école de commerce pour finalement devenir responsable de la fromagerie Jamais dans un coin paumé. On a tous le droit de changer de voie, non ? Le droit, oui, mais le courage. Bah, regarde, moi, j'étais bien sage-femme. T'étais sage-femme ? Non, mais tu m'as jamais raconté ça. Ben c'est que tu me l'as jamais demandé, ou que t'as pas su lire en moi. C'est juste. C'était avant ou après l'Afrique ? Avant, je suis pas née à l'âge de 30 ans. C'est vrai que j'ai du mal à t'imaginer en salle de travail quand je te vois derrière ton zinc. Ouais, tu sais, aider une femme à mettre son enfant au monde ou un homme à me raconter sa vie après quelques verres, il y a des similitudes. Ouais. On devrait enseigner ça à l'école de police. Ah bon, les flics vont à l'école. Désolé de vous déranger, mademoiselle Jamais. J'aurais juste quelques questions à vous poser. Bien sûr. C'est votre fils ? Il est aussi beau que sa mère. Merci. Je l'ai jamais vu à Lausanne. Michael vit à Marseille. Il n'aime pas trop la montagne. Il n'aime pas grand-chose, d'ailleurs. Vous connaissez les ados. Remarquez, vous non plus, on ne vous voit pas souvent. Nous sommes beaucoup pris par nos affaires sur la côte. Il faut bien avouer que la fromagerie à Lausanne n'est qu'une activité marginale. Vous travaillez avec votre frère, c'est ça ? Excusez-moi. C'est juste que... Vincent était un ami. J'ai du mal à croire qu'on ait pu lui faire une chose pareille. Cette femme... C'est bien vous qui l'avez arrêtée. Oui, c'est moi. Vincent était un copain de fac, c'est ça ? Vous avez fait vos études ensemble ? Oui. Mais pourquoi cette question ? Vous avez bien arrêté l'assassin, non ? Oui, oui, juste deux, trois points à éclaircir. Vous savez, les procédures judiciaires, il faut des réponses à toutes les questions. Je vois. Non, je fouille le passé de Vincent Cruzatier, j'essaye de comprendre pourquoi il a plaqué ses études pour diriger la fromagerie. Vincent voulait créer une start-up dans la téléphonie, mais il n'a jamais les moyens de le faire. Alors quand mon frère et moi nous avons repris les affaires de nos parents, on lui a proposé ce poste. C'est Marine qui a insisté pour qu'il accepte un travail fixe et bien payé. Marine ? Marine Cruzatier ? Oui. Elle était déjà dans notre groupe d'amis avant de devenir sa femme. Notre petit clan au complet. Vincent, Marine, moi... Et là, qui est-ce ? Valentine Petit. Tout le monde l'a remarqué déjà à l'époque. Et Vincent gardait des liens avec tous ces gens ? À part Marine et nous deux, il avait coupé les ponts. Même avec la jolie Valentine Petit ? Valentine est morte. Elle a été tuée. Un meurtre ? Racontez-moi ça. Vous pensez vraiment qu'il peut y avoir un rapport avec votre enquête ? Sûrement pas, mais j'aimerais savoir. C'était il y a longtemps. Les parents de Marine avaient une villa au bord de la mer. On aimait bien se retrouver pour faire la fête, histoire de décompresser un peu des coups. Cocktail Medici. Ce soir-là, notre petit groupe était au complet, y compris Victor Medici. On ne fréquentait pas vraiment à la fac, mais il essayait de venir à toutes nos soirées. En fait, il en pinçait pour Valentine. Personne ne pouvait imaginer que c'était la dernière fois qu'on la voyait. C'est Vincent qui l'a découvert le premier. Il a raconté qu'il était en train de l'embrasser.
Victor Médici a été inculpé pour meurtre. Vincent a témoigné contre lui. Mais personne n'a jamais réussi à élucider ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Il n'y a pas eu de condamnation? Non. Victor a fait quelques mois et ils l'ont relâché après son non-lieu. Et il n'y a pas eu d'enquête complémentaire? Je sais pas. On nous a jamais tenus au courant. Après ce drame, on a tous essayé d'oublier la mort de Valentine. Je comprends. En tout cas, merci pour votre hospitalité. C'est normal. Vous êtes sûr de m'avoir tout dit sur le meurtre de Vincent? Désolé, mais le secret professionnel, vous savez. En tout cas, j'ai bien peur de devoir aller faire un tour sur Marseille pour éclaircir le passé de Cruzatier. Je retourne là-bas demain matin. Si vous comptez y passer, n'hésitez pas à m'appeler. Notre maison est grande et accueillante. C'est gentil, j'y penserai. La nuit se passe bien, lieutenant? 1h20, il y a un décalage avec les alpages ou quoi? Oh, me faites pas croire, vous êtes déjà au lit. Non, moi, je vois plutôt une pile de dossiers, un mug de café froid pour tenir et la photo de votre gamin qui vous dévisage. Avec l'air de se demander ce que vous fuyez pour passer votre nuit au boulot. Qu'est-ce que vous voulez, Alex Hugo? Comment va Agnès Morel? Vous me dérangez au milieu de la nuit pour avoir des nouvelles de votre protégée? Bah, écoutez, elle va bien, elle regarde Chasse et Pêche à la télé. Très drôle, lieutenant. Non, je me demandais juste si vous pouviez pas lui rendre visite. Oui, je pourrais lui apporter des oranges. Non, pour l'interroger sur son dernier meurtre, celui de Cruzatier. Oh là. Je sens que le super flic des montagnes a une théorie bien à lui, là. Si c'est pas des loups, cette fois, c'est quoi, des ours polaires? Je pense que c'est pas elle qui l'a tué. Elle a avoué ce meurtre et 4 autres. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? La vérité. Et être sûr qu'un salopard se balade pas en liberté. Et vous avez quelque chose pour étayer vos affirmations? Non, j'ai rien. Je vous demande juste d'essayer de l'asticoter un petit peu sur le meurtre de Cruzatier. Elle essaye de gonfler son score, elle va forcément se contredire. Bah voyons. Si vous trouvez quelque chose... J'ai encore un service à vous demander. Oui, bah allez-y, tant qu'on y est. Faut me ressortir le dossier sur l'affaire Valentine Petit. Un meurtre qui date d'une 20aine d'années. Vous m'avez pris pour votre secrétaire ou quoi? Écoutez-moi bien, Alex Hugo. Vous avez de la chance que je vous ai pas collé un rapport la dernière fois. Alors je vous conseille de vous la jouer profil bas. Je sais bien que ce sera pas gratos, lieutenant. J'ai vu votre photo en première page du journal. Mais moi, les honneurs, je m'en fous. Je vous trouve la vérité, vous raflez la mise. La vérité ou votre vérité? Bossez avec moi, Vaquier. Vous le regretterez pas. Vous êtes un bon flic. Un flic qui voit au-delà des apparences. Un flic comme ceux qui sont sur la photo accrochés en haut des escaliers de service. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? 1h du mat. T'as plus de vie sociale ou quoi? Tu le connais, ce type-là? Commandant Hugo? Ouais, tous les anciens le connaissent. Il a plié bagage il y a une petite dizaine d'années. Il bossait ici? C'était un bon flic. Un intuitif, mais ça l'a pas empêché de raccrocher. Pourquoi? Il n'était pas fait pour le job. Trop de sentiments, trop d'affect. Incapable de traiter une affaire sans s'impliquer personnellement. Son surnom, c'était la tendresse. Il a fait quoi? Il a donné sa dème? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux écrire sa biographie? Je me renseigne, c'est tout. Morte? Elle s'est pendue dans sa cellule.
Et l'enquête ? Bouclée. Le procureur croit pas à la théorie d'Alex Hugo. La théorie ? Il vous a rien dit ? Si, mais je vais conseiller de pas faire de vagues. Comme quoi, il se fout pas que de moi. Je peux le voir, il est où ? Là-haut, sentier des Boucaniers. Ok, j'ai une carte, je vais me débrouiller. Une minute. Il y a 2 heures de marche. Vous bousillez pas les chevilles. Merci. Je sais pas pourquoi vous voulez le voir, mais il y a un truc que vous devez savoir. Il y a des choses dans son passé qu'il faut pas remuer. Vous commencez tous à me fatiguer avec votre Alex la tendresse. J'avais raison, c'est ça? Je viens de me taper 3 heures de marche pour venir vous voir. Ce bonjour, ça ferait pas de mal. Ou alors il s'est passé quelque chose. Elle s'est pendue. Pendue? Elle était pas sous surveillance? Ça s'est passé pendant le changement d'équipe, on pouvait rien faire. Un psychotique qui se pend, tout le monde s'en fout. C'est ce que vous pensez, lieutenant ? Elle a dévissé la tête de 5 mecs. Vous voulez pas que je lui allume un cierge, ouais. Non ? Affaire classée, le proc est content. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, lieutenant Vaquier ? L'affaire est classée, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous croire. Parce que vous en avez marre d'être un flic anonyme. Vous avez envie de briller, faire la une des journaux. Très jolie photo, d'ailleurs, je dois dire. Vous croyez que j'ai convoqué Paparazzi ? Qu'est-ce qu'il y a dans vos sacs ? Des chamois morts. On a un boucher qui s'évit dans nos montagnes. Il les aligne à 400 mètres, après il sait plus comment retrouver les corps. Et alors, c'est si important que ça pour vous, ces chamois ? Ici, les animaux sont comme les hommes, on n'abandonne pas leurs dépouilles. On cherche à comprendre ce qu'on aurait dû faire pour Agnès Morel. Bon, si vous avez besoin de parler de ça, vous savez me trouver. Mon bureau, c'est celui en face de l'escalier, à côté du vôtre. Enfin, votre ex-bureau. Oh, et puis vous me saoulez, tiens. J'aime pas cette tête. T'as jamais eu envie d'y retourner ? L'Afrique, c'est loin pour moi maintenant. Non, mais si quelque chose t'obligeait, t'y retournerais ? J'ai passé 5 ans de ma vie, faut savoir tourner la page. Parfois, c'est pas si simple. Tu retournes à Marseille, c'est ça ? Je dois aller au bout de cette enquête. Tu pars longtemps ? Temps de comprendre. Je suis dormir chez les Jamais. Elle me l'a proposé. Si tu sens que tu dois aller là-bas, alors vas-y. Désolée pour mon fils. En ce moment, c'est très difficile de communiquer avec lui. À part sa moto, rien ne l'intéresse.
Je vais pas lui jeter la pierre, moi, à son âge, c'était le dessin. C'est moins bruyant. Vous avez des enfants? Non. Alors restez comme vous êtes. Ça vous évitera bien des tracas. Je vous ai préparé une chambre à l'étage. C'est vraiment très gentil. Je vous promets de me faire tout petit. Au contraire. Mon frère et moi sommes très heureux de vous avoir à la maison. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. Julien, jamais. On s'est jamais vu à Lausanne? Non, je crois pas. Alice m'a expliqué que vous enquêtez à Marseille pour boucler l'affaire. C'est tellement triste ce qui est arrivé à Vincent. Il n'était pas qu'un employé pour nous. Alors vous vivez tous les deux dans cette grande maison? On peut même dire qu'on a grandi ici, c'est la maison familiale. C'est beau, autant de complicité. Ne vous y trompez pas, c'est le business qui nous réunit. Sinon, on se déteste. Je plaisante. Ma sœur et moi, nous sommes jumeaux, alors vous comprenez que pour nous, vivre ensemble n'a rien d'étrange. Bon, je vais vous montrer votre chambre, où il va se mettre à raconter sa vie. Ne vous inquiétez pas, écoutez les gens raconter leur vie, c'est un peu mon métier. Bon, ben, surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Merci. Surveiller ou à me harceler, je préviens la police, c'est compris? Bonjour. Bonjour. Je cherche Victor Médici. Ça fait bien longtemps que Monsieur Médici ne tient plus la boutique. Vous savez où je peux le joindre? Oui, vous avez l'adresse de sa société sur tous les DVD. Enchanté. Bon alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Un petit film amateur avec votre copine? Je suis pas sûr qu'elle apprécie. Alors quoi, vous êtes journaliste? Une interview de hardeuse? C'est très impressionnant. Bite d'or. Celle-là, je l'ai eue pour le string de Cendrillon. On avait fait un carton. J'imagine que c'était librement inspiré du conte. Ah, très librement, ouais. Le prince faisait pas que lui enfiler ses souliers. Et on est tous des bêtes sauvages, en quelque sorte. Bah, présentez-moi la plus coincée des culs serrés, et je vous la dirai dans moins de deux jours. C'est dans nos gènes. J'aime bien votre franchise, monsieur Médici. Je vais donc essayer d'être le plus direct possible. Et je vous écoute. Est-ce que c'est vous qui avez tué Valentine Petit? Putain, vous êtes flic. Détective privé. Vous, c'est pour qui? Ce salaud de Cruzatier ou son hystéro de gonzesse? Pour personne.
J'essaie de comprendre. J'ai déjà tout raconté. Je suis même allé en justice, putain, j'ai gagné. Tout ça, c'est loin maintenant, alors dégagez. Dites à ce connard de Cruzati d'aller se faire foutre. Il est déjà allé se faire foutre. Merde. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous n'en avez aucune idée? Quoi? Vous croyez que je l'ai tué? Mais je rentre tout juste de voyage ce matin, putain. Vous pouvez vérifier, je... Ah, mais je vais vérifier, comptez sur moi. Maintenant, si vous pouvez me parler un petit peu de Valentine Petit, disons que... ça prouvera votre bonne volonté. Mais j'ai rien à dire. Je l'ai trouvé couché au fond du jardin. Elle respirait pas, j'ai juste essayé de lui faire du bouche à bouche quand Vincent est arrivé et s'est jeté sur moi. Il m'a tout de suite accusé de l'avoir tué, comme s'il voulait me plomber. Il avait une raison? Il y avait plein de raisons. D'abord, j'étais pas vraiment du même milieu que tous ces fils de riches. Et puis surtout, Vincent était amoureux de Valentine. Et elle, pas. Ouais, je sais, c'est ce que vous avez raconté au procès. Pas qu'un peu. Mon avocat a démonté tous les arguments de Cruzatier. Ils avaient rien contre moi, rien. Non, mais je sais tout ça, j'ai lu le compte-rendu d'audience. Alors quoi? Pourquoi vous venez ici me mettre la pression? J'aurais tué Vincent pour me venger? Rien à foutre, ce mec. Non, j'essaye juste de comprendre pour quelle raison il a témoigné contre vous. Je vous l'ai dit, il en pinçait pour Valentine. Et moi, j'ai toujours eu du succès avec les nanas. Ou alors vous couchiez avec Marine. Ils étaient déjà ensemble à l'époque. Marine, c'était pas le genre à tromper son mec. Ah oui. On est tous des bêtes sauvages, non? Est-ce que vous vouliez? C'est sympa de vous être libéré si vite. Tous les membres du clan Jamais. Ils ont tous participé à la soirée du meurtre de Valentine Petit. Félicitations, lieutenant. 15 personnes disséminées sur toute la côte. Autant dire que ça fait du boulot. Mais le jeu en vaut forcément la chandelle. Ah, sauf qu'on n'a pas celle de la prescription. L'enquête sur le meurtre de Valentine Petit est close. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je vous refile les infos. Au contraire, je crois que vous le savez très bien. Écoutez, j'ai aucun élément pour persuader le proc de rouvrir l'enquête sur le meurtre de Cruzatier. Et Agnès Morel est morte. Alors donnez-moi quelque chose, je sais pas moi, un de vos tours de passe-passe façon à tuer Zoulou. J'ai rien pour l'instant. Juste des apparences. C'est-à-dire? On vous apprend plus ça à l'école de police? L'apparence, c'est l'ennemi de la vérité. Ouais, faut que j'y aille. Merci pour les infos. Oui, enfin, c'est pas gratuit. À la moindre avancée, vous décrochez votre téléphone, ok? Ok. Je vous dérange pas? Non, je vous en prie. J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose d'embarrassant. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je m'inquiète pour Marine. Marine Cruzatier, pourquoi? Elle va mal. Elle s'imagine des choses. Quel genre de choses? Elle est persuadée que j'avais une liaison avec son mari. Et c'était vrai? Jamais. J'ai jamais eu de liaison avec Vincent. C'était son mari et Marine est une amie d'enfance. Ah, pourquoi vous inquiétez? J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Écoutez, j'ai rencontré Marine Cruzatier, et malgré son caractère un peu borderline, je pense pas que ce soit le genre de femme à faire une bêtise. Mais... Pardon, excusez-moi. Oui? Mais très bien, j'arrive tout de suite. Je vais devoir vous laisser. Merci. On reparle de tout ça plus tard, si vous voulez. Allez, démarre, démarre. Je peux vous emprunter votre voiture? J'ai avec vous. Ah non, sûrement pas.
Michael est chez un ami. Julien est à Paris. J'ai peur de rester seule. Non, Alice, c'est pas possible. Non, ce qui est impossible, c'est de vous laisser conduire la voiture de mon frère. Vous n'avez pas idée à quel point il aime cet engin. Et puis, je me sens coupable de tout ce que je vous ai dit sur Marine. Moi aussi, j'ai besoin de savoir. Bon. Restez ici, quoi qu'il arrive. Vous avez compris? Vous fermez les portes à clé. En plein cœur, tiré à bout portant. Fusatier, maintenant Médici, tout est lié à l'affaire Valentine Petit. Il faut absolument relancer l'enquête avant que le meurtrier disparaisse dans la nature. On verra. En tout cas, on va pouvoir faire le boulot. C'était sur le grillage, on va avoir son ADN. S'il est dans la base de données, il est cuit. On aura besoin de votre déposition. Demain matin, première heure. D'ici, je vous en prie. Qu'est-ce que Médici voulait me dire? Qu'est-ce qui faisait si peur à l'assassin? Quelqu'un efface les traces de l'affaire Valentine Petit 20 ans plus tard. Pourquoi? Comment l'assassin a su que Médici voulait me parler? J'ai froid. J'ai peur. Alice. Tais-toi. Moi aussi j'en avais envie. Depuis la première fois que t'es venue à la maison. Pas besoin de se prendre la tête. Ça change rien. Vite, mon frère, rhabille-toi. Pourquoi est-ce que vous avez mêlé ma sœur à votre enquête? Elle a insisté pour me suivre. Et alors, vous êtes flic? Vous auriez dû la protéger. Elle aurait pu être blessée au pire à cause de vous. Je veux que vous fassiez votre valise et que vous quittiez notre maison. J'avais prévenu Alice que cette histoire allait mal finir. Excusez-moi. Ouais. Le rapport du légiste est arrivé. Ok, j'arrive. Vous inquiétez pas, je serai parti dans la journée.
Détachez-moi, bon sang. C'est cardiaque. Oui, bien sûr. Tu bougeras pas de là, toi. Alex, je vais chercher Simon. Tu jettes un œil, s'il te plaît. S'il vous plaît. C'est 10 heures, je suis sur cette chaise. J'ai les poignets en sang. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel ? Et là, on a un rapport carré. Je rapporte de la balistique. Alors ? Une balle à bout portant, calibre 7.62-54, provenant d'une carabine soviétique. C'est une arme de chasse, ça. Au gros gibier, oui. Autant dire que ça court dans les rues. Pas ce modèle-là. Hein. Vous avez une idée ? J'en ai vu une récemment, sur un mur. Ça va ? Ouais. C'est juste que j'arrive pas à comprendre pourquoi Marine Cruzati aurait massacré son mari en tentant d'imiter un meurtre de façon si complexe, pour ensuite abattre Medici chez lui, avec une de ses propres armes. Pas simplement pour brouiller les pistes. Medici devait savoir quelque chose qui permettait de remonter jusqu'à elle. C'est la jalousie et l'hystérie qui m'ont poussé à passer à l'acte. Ça se tient, oui. Mais de toute façon, l'ADN sur le grillage va parler. Ah bah oui, vous êtes là. Vous êtes content, vous l'avez trouvé, votre coupable. Ça vous fait jouir, hein, Alex Hugo. Grand amour entre vous. T'as trouvé la carabine ? Non, et devinez quoi ? Elle dit qu'on lui a volé hier. Toutes les armes de son mari ont disparu, elle allait porter plainte. Tu m'étonnes. Alors, toujours innocente ? Bon, expliquez-nous pour la carabine, non ? Et arrêtez avec votre histoire de cambriolage. On n'a relevé aucune trace d'effraction, rien. Il y a 2 verrous à votre porte qui étaient en parfait état quand on est arrivé chez vous. Alors ? Vous avez raison. Réfléchissez bien avant de me répondre. C'est bon, elle est mûre. Dans une heure max, elle signe des aveux. Tu sais ce que je vais faire? Je vais sortir de ce bureau et aller me faire un café. Et quand je vais revenir, je veux plus voir ta sale gueule ici.
Vous alliez partir en voleur, là? J'aime autant pas traîner. Mais on va fêter ça avec les gars. Vous voulez pas rester? Je vous l'ai dit, Caroline. Les honneurs, c'est pour vous. Caroline, dites donc, j'ai droit à une promotion, là? Vous retournez sur Lausanne? Je vais retrouver mes montagnes, ouais. Je suis heureuse d'avoir pu bosser avec vous, Alex. Même si vous restez un homme de l'ombre, ça vous dérange si je vous cite dans le rapport? Non. Vous allez devoir la remorquer? Non. C'était juste un tuyau d'injecteur débranché. Rien de grave. Merci, gardez la monnaie. Merci. Au revoir. Au revoir. Alice et moi, on aimerait vous remercier d'avoir retrouvé le meurtrier de Vincent, même si Marine était une amie. Je suis désolé pour ce qui s'est passé chez Médici. C'est moi. J'aurais jamais dû insister pour venir. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. J'aurais jamais cru Marine capable de ça. On connaît jamais vraiment les gens, vous savez. Au revoir. Vous avez fait vos études en 91? Non, pas du tout. C'est la promotion d'un de mes cousins. J'essaye de retrouver ses camarades pour lui faire une surprise. C'est une bonne idée, ça. Merci. Tout est là. Désolée, on n'a pas tout répertorié sur informatique. Douloureuse cette blessure? Je me suis fait ça en bricolant. C'était avant ou après votre séjour à Paris? Michael est votre fils, n'est-ce pas? Vous et Alice, vous formez un couple depuis des années, mais d'ici, le savez. C'est ça qu'il allait me dire.
déliré. Votre visage, la chirurgie, pour ne plus ressembler à votre fils. Regardez cette photo, Julien. Votre regard ne trompe pas. Vous étiez amoureux de Valentine Petit. Votre sœur l'a appris, c'est elle qui l'a tuée. Elle tue une rivale potentielle et vous tuez Cruzatier 20 ans plus tard. Pourquoi ? Vous êtes fou ? La question est pourquoi, Cruzatier ? Il avait découvert votre secret et vous faisait chanter. Marine était sur le point de le mettre à la porte sans un sou. Son silence contre votre argent. Vous avez profité du crime de la tueuse à la hache pour l'éliminer. Arrêtez. Vous êtes fou. On a l'ADN sur le grillage, on va le comparer au vôtre. Et tout s'arrêtera là. Les analyses ADN ne mentent pas, Alice. C'est bien votre frère qui a tué Medici. Et il va en prendre pour 15 ans au minimum. Et plus si on compte les meurtres de Cruzatier et de Valentine Petit. 15 ans. Vous en avez la force d'attendre, Alice. Et on a interrogé les membres de votre ancien clan. Il y a toujours eu des rumeurs sur votre relation avec Julien. Et Médicis vantait même de vous avoir vu au lit tous les deux. Médicis est un porc. C'est pour ça que Julien l'a supprimé. Il était sur le point de m'en parler, vous saviez que j'allais faire le lien. C'est pour me surveiller que vous m'avez invité chez vous. Il se coûte fil à Marine, la nuit, depuis votre salon. Ma panne de voiture, histoire d'avoir un alibi. Vous avez méticuleusement tout mis en scène pour éloigner mes soupçons. Je veux parler à mon avocat. Bien sûr, Alice. Avec votre argent, vous aurez le meilleur. Peut-être même qu'il réussira à vous sortir de là. Et votre frère. Son ADN, c'est son passeport pour la prison. Vous trouvez ça juste qu'il paye pour vos crimes ? Et Michael, votre fils, vous lui devez la vérité, non ? Était terminé. La mort de Valentine, c'était un accident. J'ai jamais voulu la tuer. Je voulais juste qu'elle arrête de tourner autour de Julien. Et puis Vincent a commencé à nous faire chanter. Ils avaient pour Michael. Alors on a eu peur. On savait pas comment faire. Alors vous l'avez tué pour protéger votre secret. En orientant mes soupçons vers Marine, cette pauvre folle hystérique. Je suis désolée. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Que je voulais te demander. Est-ce qu'un jour tu seras prête à enlever sa photo de ton médaillon pour la remplacer par la mienne ? Je l'ai jamais ouvert devant toi, comment tu sais ? C'est pas lui que je garde. C'est le souvenir d'un passé, d'un pays. Cette photo, c'est tout ce qui me reste de l'Afrique. Je voulais te faire un grand numéro de charme, mais là, ça va être difficile de rivaliser avec un souvenir. Cette vallée, la montagne, c'est pas mal non plus. T'as peut-être tes chances, Alexio. Bouge pas. 3 mois que tu nous balades, toi. Braconner une espèce protégée avec une arme de guerre, alors j'aime autant te dire que ça va te coûter un max, hein. Mais j'ai fait de mal à personne, je fais que chasser. C'est ça, tu raconteras ta vie au poste. Mais tu es du gibier, c'est dans la nature de l'homme. Tu es dans la nature de l'homme, pour une fois que c'est pas moi qui le dis.